Bonjour et bienvenue dans cette émission Au Poste avec Christophe. C'est l'épisode 3 si je ne me trompe pas. Là, nous sommes en Montería et nous allons utiliser des caméramans un petit peu curieux. Parce que là, c'est mon copain Max qui filme avec Simon qui est au poste. Et moi, je suis tout seul avec ma GoPro. Donc ma GoPro, évidemment, je vais avoir un poste pour tirer très 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 loin. Ça va être un peu compliqué. On est parti. Voilà, je suis déjà à mon poste. C'est bien, mes papères. Voilà, on est parti. Là, on est avec Simon. Hein, il vient de tirer un petit cerf qui va tomber un peu plus loin. Il a pris chaud. Prépare-toi, ils vont arriver dans le trou. Au-dessus, Simon, au-dessus. Il a de la chance, le cerf l'a pas vu. Il s'engage dans le ravin. Et il s'arrête. Là, d'accord. Bah oui, erreur dramatique, il fallait pas s'arrêter. Là, en revanche, la balle est parfaite. Et l'animal est rennebord. Bravo, Simon. Simon chasse avec une ancienne R93 à moi. En calibre 9.62, vous avez vu, il a tiré assez nettement au-dessus et un petit peu derrière en plus. Là, en revanche, la balle de face, c'est des balles qui sont extrêmement efficaces. Alors regardez bien, cette scène est intéressante. Il tire pas parce que c'est un peu en crête, mais voyez que sur la crête, on voit un chien passer, c'est un chien blanc. Vous voyez, quand on vous dit de pas tirer en crête, il y a des raisons. Vous voyez, il peut pas tirer parce qu'il sait pas où va partir la balle. Derrière, on sait pas où ça va aller. Alors, il faut savoir que Simon a déjà tué un très 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 beau mouflon. Et sur la première bande, il a fait un cerf et il a raté. Non, il a fait une biche aussi derrière qu'on n'a pas vu filmer. Rabali, c'est un sanglier que je vais tirer pratiquement en haut sur la colline en face, à peu près à 280 mètres. Alors, je suis désolé, à GoPro, on ne voit pas grand-chose. Hein. Muy lejos. La ha dado, la ha dado. I got it? La ha dado. Sí, sí, sí. J'ai mis à peu près 2,50 m devant. 250 et à peu près 25 cm au-dessus de l'animal. Si? Si. Et il va prendre la balle à l'arrière. Il va faire une quarantaine de mètres et tomber. C'est un autre couloir. Voilà. Tu le vois? Ah oui, si. Mon secrétario le repère et il va tomber. Et là, ça bouge pas. Là, les rabatteurs sont pas très loin. Il y a un beau cerf. Et ils ont levé 4 cerfs, un qui s'est couché par terre et 3 autres qui se sont mis sous le chêne qui est juste en face de moi. Vous voyez, on voit juste les bois. On les voit un petit peu bouger, ils vont s'en aller. C'est des scènes très sympas. Je n'avais le droit de tirer que les femelles et les sangliers. Ouais, voilà mes petits cerfs qui s'en vont. Voilà, regardez, ça va aller assez vite. Voilà, mon secrétario, lui, avait repéré ce fan, je pensais être une biche au début, qui est à peu près 90 mètres. Moi, je ne l'avais pas vu, donc j'ai attendu qu'il passe dans la toute petite éclaircie pour pouvoir le tirer. Allez, et poum, balle de colonne arrière, l'animal va rester sur place.
On va l'attendre là. Là, je vais essayer de tenter. Je sais plus même si c'est une dinde, je crois que c'est une biche que je vais louper. Je suis à peu près à 230 mètres. C'est trop grand. Elle est où ? Pour simplifier, on dit il faut mettre 1 mètre devant l'endroit où vous tirez à 100 mètres. Donc, à 250 mètres, il faut mettre 2,50 mètres. Et à 300 mètres, il faut commencer à avoir effectivement... Alors là, en revanche, c'est beaucoup plus près. C'est une biche que je viens d'enfumer proprement. Je me suis fait surprendre. Et puis après, elle est rentrée dans le maquis. On ne voit plus rien. C'est malin, hein. Là, on retourne au poste avec Simon, donc c'est Max qui filme, pour une petite biche qui tire une première fois assez loin, je crois que c'est 150 mètres, mais elle se rapproche gentiment. Bon, on a un peu arrière, mais l'animal dévale la pente. Gautier, mon mère, je pense qu'elle l'a pris. Gautier, c'est sûr. Je pense qu'elle a pris la première. Là, on voit mieux au ralenti. Vous voyez que c'est quand même des tirs qui sont difficiles. C'est très typique de la monteria, ça. Hein. On tire loin. Parfois, on tire près, mais on sait jamais. Voilà. Et il faut repérer les animaux dans la végétation, puisque ils peuvent arriver à tout moment. Et on peut se faire surprendre. Voilà, la première biche va tomber voilà, juste au moment du ravin. Voilà, elle tombe et le fan, il va faire le doublé. Hop, sa belle balle. Plus de fan. Bon, Max n'est pas un grand caméraman, mais il est quand même là pour vous faire des images. Alors Simon s'est un peu précipité à tirer les premières cerfs venues. Et puis il va commencer à avoir d'autres cerfs. Il a fini son quota, parce que c'est un système qui marche par quota. Il avait le droit à 3 coiffés, il a fait 2 cerfs et un mouflon. Le mouflon n'a pas été filmé par Max. Et maintenant les cerfs, il les regarde. Ça le tente quand même, hein, vous voyez bien. Il y a pas mal d'endroits où il y a des daims en Espagne, hein, y compris dans les zones ouvertes, hein, plus qu'en France. Que je trouve remarquable, c'est la discrétion avec laquelle ces animaux s'avancent. C'est une très très belle propriété avec une très grosse densité d'animaux dans lequel j'ai vu il y a des années. On va aller voir le sanglier. Voilà. Vous voyez la maison en haut de la colline. J'étais à peu près 50 mètres en dessous. On voit mon siège, 80 mètres en dessous. Et ce petit sanglier a été tiré. Une bête rousse. Petite lait. Probablement plus de 300 mètres. Entre 250 et 300 mètres en tout cas. Et elle va arriver jusqu'ici. Bon. Eh bien, nous sommes partis pour un petit week-end de Monteria avec mon ami Simon. Nous sommes au cœur de la Sierra Morena, une fois de plus.
par une très belle propriété dans laquelle je suis venu il y a une quinzaine d'années. J'ai tué un énorme daim. J'en ai vu d'ailleurs un très très beau aujourd'hui. Moi, j'avais un poste uniquement à femelle et à sanglier. Un peu compliqué d'ailleurs, parce que ça passait sur un autre versant en face. Ça faisait des tirs très très loin. J'ai réussi à prélever un sanglier, mais à 250 et 280 mètres. Et un fond de biche à 80-90 mètres. Et je pense savoir taper aussi une daine. Là, le secrétariat est parti vérifier à plus de 200 mètres, 230 mètres. Mon ami Simon a eu un peu plus de réussite. On a eu un peu plus de réussite, on est avec Maxime, avec mon pote Maxime, on a fait deux serres, convenable et puis un beau, on a fait deux, trois biches, un fond, un petit daguette d'un et un très beau mouflon. Voilà, donc une belle journée, on a tiré une trentaine de balles, très belle journée. Parfait. Le tout dans un décor absolument superbe. Moi j'ai beaucoup de maquis, c'était très compliqué. Ce qui était très amusant d'ailleurs, c'est de voir que quand les chiens sont arrivés, alors que plus rien ne bougeait depuis le départ, ils ont levé devant nous, là, dans un rayon de 300 mètres, ils ont levé 50 animaux. Et quand ils sont revenus, ils en ont encore relevé 20. On ne les a jamais vus arriver, on ne sait pas d'où ils sortent. On a vu 4 cerfs à un moment arriver, et il y en a un, il s'est couché. Et les chiens sont passés à côté, ils ne l'ont pas vu. Et puis il y a un chien, un retardataire, qui a fait, hop, il l'a pris au nez, et puis là, il l'a levé. C'était vraiment très amusant. On a vu beaucoup, tous les deux, beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux tout au long de la journée. Et puis des animaux pas faciles à chasser. Très très bien chassés par certains chiens. Tous les chiens n'étaient pas bons. Il y avait quand même, nous, on a vu quelques très bons chiens. On a eu une très belle chasse au départ. Après, ça, c'est... Après les chiens, ils faisaient le problème, c'est la chaleur. Ils étaient très chauds. Pas très chaud. Non, il faisait chaud. Quoi. Il faisait sec. Ouais. Bon, voilà, donc demain on repart pas très très loin d'ici, dans les montagnes un peu plus loin. Une propriété, on est allé il y a 3-4 ans. Hein, et on va essayer. Il n'y a pas de daim, je crois qu'il y a des mouflons. Oui, il y a des mouflons. Il y a des cervidés. Mouflons et cervidés. On va essayer. Moi demain, je serai avec. Je ne chasserai pas, je serai avec un autre chasseur. J'espère qu'il tirera mieux que Simon. Et on va essayer de faire encore des beaux animaux. Allez, on est parti.